La finalité du projet Virginie, qui a quand même été refait pour participer à Brest, et Brest et Douarnenez, et après la redescente à travers la Caramède et le projet de l'aventure plurielle de Thierry, d'aller à la rencontre d'autres associations de l'Atlantique, du canal du Midi, et d'essayer de faire naviguer le maximum de monde. Donc pour nous, c'est une grosse satisfaction d'avoir mené le projet à terme, puisque là on arrive de Brest, près de Brest, de Port-Fréjus, qui était l'avant-dernière étape, où on a été un petit peu bloqué à cause du temps, du vent. Et puis aujourd'hui, on arrive à Antibes, on est accueilli par le port du Crouton, et puis demain, on va faire la finale à Nice avec le conseil général qui est le partenaire de l'opération. Conseil général, conseil régional et différents partenaires. Donc, faire une petite fête avec eux pour finaliser. Au niveau du parcours, on est parti moi je suis parti le 6 juillet de Saint-Laurent-du-Var et on rentre aujourd'hui. Donc, on a participé au grand rassemblement de Brest, après à la grande parade qui est aussi un grand moment fort, puisqu'il y a eu quand même 1500 bateaux qui sont partis de Brest pour arriver à Douarnenez. C'est assez impressionnant de naviguer en grande flottille comme ça, c'est assez fabuleux, puisqu'il y a quand même des bateaux de toute taille, hein, des grands voiliers, des trois mâts, des petits bateaux comme nous, parce qu'on fait quand même relativement petit. Et après on est parti le 22 juillet de Douarnenez pour redescendre par l'Atlantique jusqu'au Royan, Bordeaux, le canal du Midi, enfin le canal latéral de la Garonne, canal du Midi, Marseillan, les Tantos, les Stacks à Marseille, où on a participé à la Mourejade, c'est un rassemblement de pointus aussi. Et puis là, on arrive. Alors c'est une opération qui aura quand même permis de faire naviguer une centaine de personnes, une centaine d'équipiers. On avait une ossature de 4 personnes qui ont fait tout le voyage. Tous les lundis matins, il y avait un changement d'équipage. Donc ceux qui partaient laissaient la place à ceux qui arrivaient. Et voilà, donc il y a eu un échange entre personnes qui a été assez fabuleux, assez intéressant. Et après la rencontre avec des associations de Noirmoutier, les Sables d'Olonne, les Tantos, plus après toutes les villes où on a traversé, chaque fois qu'on amarrait les bateaux, c'était 10-15 personnes qui venaient nous voir, qui nous demandaient des renseignements, qui voulaient savoir. C'est assez quand même particulier avec des calculs de marée, pour avoir toujours la marée dans le bon sens, pour naviguer avec la marée et non pas contre. Pour donner un exemple, le Ratzin qui est la pointe du Raz, le passage entre la pointe du Raz et l'île de Sein qui est assez réputé et connu. On a eu la chance de le passer par beau temps. Et moteur juste enclenché, c'est-à-dire au ralenti, on était à 10-11 nœuds. On était dans le courant, on était porté par le courant, c'était assez fabuleux, quoi. C'est des choses qu'on ne connaît pas ici. Voilà. Et par contre, l'inverse, c'est que sorti de la Loire, au niveau du courant, on était bon. Point de vue météo, ils se sont un petit peu trompés, ils avaient annoncé force 1-2. Et on a eu 4-5, et tout de suite, c'est des vagues de 3 mètres, 3 mètres 50 sur 2000 nautiques. Donc pendant une heure, on s'est fait brasser bien. Voilà. Mais sans gros soucis, parce que les bateaux ils tiennent bien, il n'y a pas de gros problème, sinon on a été bien brassé. Voilà. C'est fantastique, quoi. Brest, c'est le monde de la voile et le pays de la voile, quoi. C'est une heure de jeu de voile. Une rade fantastique. Donc du matin, midi, soir les parades, tous les soirs, avec tous les bateaux qui viennent de Croatie, qui viennent de plein d'horizons différents, quoi. La ville sur le bateau est assez conviviale, puis on navigue tous ensemble. Puis après la sortie de Brest pour Douarnenez, on était 1000 bateaux sur l'eau, toute catégorie, c'était fantastique.